Salut à tous et à toutes! C'est bien moi, Jérémy Sinette. Et maintenant, mes chers amis, je vais vous parler d'un un fameux film live, ou plutôt un film de prise de vue réelle, adapté sur une série de bandes dessinées américaines de mon enfance. Et c'est alors que je vais parler sur Garfield le film. Alors, Garfield le film, c'est un film live qui est sorti en 2004 et que ce film de Garfield a été créé par 20th Century Fox. Bon, et maintenant, place au film. Bon, maintenant, le film commence, là on y découvre le fameux chat, ouais, le fameux chat de la bande, le fameux gros chat orange de la bande dessinée, Garfield. Et surtout que l'acteur anglophone qui fait sa voix est en effet le fameux Bill Murray. Eh oui, Bill Murray, le fameux acteur qui a fait le rôle de Peter dans les films de SOS Fantôme. Bon, alors, Garfield se réveille, et là, il est en train de réveiller son maître John en lui sautant dessus. Ah, et en plus, il y avait deux passages comiques pendant le commencement. Pendant que John est en train de prendre sa douche, Garfield est en train de tirer la chasse d'eau pendant que John prend sa douche. C'était drôle. Et puis aussi, ensuite, là, après, John avait préparé du thon. Après le coquin de Garfield, il a échangé sa bouffe pour chat contre le plat de Jones. Black! Pauvre Johnny! Il a mangé de la bouffe pour chat! Ça, c'était drôle! Là, après, durant le commencement, alors, Garfield, maintenant, il est en train d'embêter un Danois noir qui s'appelle Luca. Ah, et surtout, j'ai tout de suite reconnu le comédien québécois qui a fait la voix de Luca. Le comédien québécois qui a fait la voix de Luca est ni l'autre que le fameux Hubert Gagnon, le fameux comédien québécois qui a fait la voix de Homer Simpson. Puis là après, on y découvre que Garfield accompagne son rival, Nermal. Ben maintenant, ça a l'air que dans ce film, il est comme son allié, puisque dans la bande dessinée et dans les dessins animés de Garfield, Nermal est considéré comme le rival de Garfield. D'abord, Garfield et Nermal sont en train de jouer aux astronautes, alors que Nermal avait activé la catapulte pour que Garfield va voir du laitier dans la gouttière. Après, maintenant, John est en train d'avertir à Garfield qu'il a vu une souris. Alors, Garfield court après la souris, puis après, il faisait semblant de manger la souris. Comme il a fait dans l'un des gags de la bande dessinée. Et après, ensuite, là, cette souris s'appelle Louis. Ben, c'est supposé d'être Squeak, ça? Puis là, après, il y avait ce passage-là où on voit que Garfield
avait mangé tous les ingrédients pour faire une lasagne. Alors, John emmena Garfield chez le vétérinaire. Et après, on y découvre la blonde de John, Liz. Et maintenant, il y avait aussi que maintenant, John avait adopté un chien. Et ce chien est en effet Audi. Et en plus, oh, Audi est vraiment trop cute dans ce film. Audi est trop cute dans ce film. Ça, c'est le boucher chien qui lui boule boucher chien. Puis là, en plus, il y avait ce fameux passage là où Garfield vient recevoir sa toilette et qu'il a reçu une coiffure de Elvis Presley, bébé. Après, maintenant, Garfield rencontrait Audi. À une seule condition, c'est différent que celui dans la bande dessinée. Avant, Audi, son propriétaire, c'est Lyman, qui est en effet un personnage oublié de Garfield, qui est en effet... Lyman, c'est le meilleur ami et colocataire de John, et en plus, il était le maître d'Audi. Puis là ensuite, après... Alors Garfield, il vient de se faire embêter par les gafferies de Audi. Alors que Garfield avait échoué de faire son plan pour boire du lait dans la gouttière. Ça, c'était drôle! Là après, maintenant, Garfield et Audi sont en train de danser. Ah, et ensuite, là, bien sûr que Arlene, la blonde de Garfield, apparaît dans ce film. Et en plus, cette chatte noire est supposée être Arlene. C'est bizarre. C'est bizarre pourquoi ils ont pris... C'est vraiment bizarre pourquoi ils n'ont pas pris un chat gris, un chaton gris tout cute là pour faire normal, comme celui dans la bande dessinée. Et en plus qu'ils n'ont même pas fait un chat vrai en animation 3D comme ils ont fait à Garfield pour faire Arlene là, qui vont faire une chatte en animation 3D là, avec la fourrure rose et du rouge à lèvres, comme dans la bande dessinée. Et là, après, là, maintenant, Liz arrive pour rendre visite à John. Puis là, John et Liz emmènent Audi dans la voiture. Et là, Garfield est en train de les accompagner en discrétion. Puis là, après, là, Garfield avait découvert que c'était un concours canin. Alors que pendant que Garfield a été poursuivi par les chiens, Audi est en train de montrer son talent de danseur. Oh, comme il est beau ce chien, il est beau! Puis ensuite, après, on y découvre le méchant du film, Happy Chapman. Alors que Audi avait remporté le concours canin. Il après, là, alors qu'ils sont rentrés, et là, Garfield est fâché. Sauf au moment où Garfield avait tapé la balle et qu'il a fait une grosse gaffe. Et que John l'avait expulsé de la maison. Et pauvre Garfield qui est dehors.
Puis là, au moment que Woody est en train de montrer à Garfield qu'il est comme son pote, et là, Garfield rentrait chez lui et laissa Woody tout seul dehors. Mais là, comme les autres chiens, Woody s'est sauvé. Et il s'est perdu. Alors que John avait vu que Woody, ouais, que Garfield et John ont vu que Woody avait disparu. Ah, et j'avais oublié que Woody, pendant qu'il s'est perdu, il a été trouvé par une gentille vieille dame qui est en train de mettre des posters d'avis de recherche d'Woody. Alors que Garfield et Jones ont vu que Woody avait disparu. Alors, John avait mis des avis de recherche pour trouver Woody. Après ça, là, bref. Alors, au moment, le méchant Happy Chapman, oh God. Maintenant, il a adopté Woody. Et alors que Garfield a été blâmé par ses amis, et là, à ce moment-là, il aperçoit l'émission où il y a où il y a Chapman, là. Puis là, après, Garfield a vu Woody. Alors, Garfield prévenait John. Voilà. Garfield a échoué. Une page publicitaire. En montant une annonce d'hamburger de Wendy's. Alors, c'est dur à dire, mais Garfield devrait aller trouver Woody et le sauver. Ensuite, là, Garfield part à l'aventure pour aller trouver Woody. Alors, Garfield est dans la ruelle. Puis là, il a été encerclé par des rats, mais qui sont prêts pour aller manger Garfield. C'est drôle, ça. Ok, oubliez ce que j'ai dit, là. Bref, mais pour le voir, Garfield a été sauvé par Louis la souris. Puis là, après, maintenant, alors, Garfield, maintenant, il va aller vers le studio pour qu'il puisse aller trouver Happy Chapman pour trouver Woody. Et là, après, là. Et bref, Garfield, il a escaladé les bouches d'aération. Et c'est toute une drôle d'aventure qu'il a vécue en passant par les bouches d'aération. Alors que Garfield, maintenant, après qu'il a presque failli sauver Woody, alors, Garfield, maintenant, il utilise une planche de repas pour faire du skate. Et après, il est atterri par la fenêtre. Et là, Garfield est tombé dans un camion rempli de lasagne. Puis là, après, Garfield a été capturé par la fourrière. Ah, et bien sûr, Garfield avait aussi surnommé le titre de la fourrière Inspecteur Gadget. Elle est bonne. Bon, et là, ensuite, là. Alors que John, maintenant qu'il est avec Liz. Alors qu'ils vont partir à la recherche de Garfield et Dodie. Alors que
John avait trouvé l'avis de recherche de Audi de la vieille dame qu'elle avait mis. Alors, John et Liz sont allés voir la vieille dame, et là, la vieille dame disait que c'est Chapman qui avait adopté Audi. Alors, John et Liz sont allés voir à la loge de Chapman, mais là, Chapman est déjà parti. Alors que pendant que Garfield était à Fourrière, il rencontra Roland, qui est en effet l'ancien chat de Chapman. Alors que Chapman, il est allergique au chat. Puis là, à ce moment-là, Garfield s'est échappé et là, il va à la gare du train. Alors, Garfield est arrivé à la gare du train. Là, il est arrivé trop tard parce que le train est parti. Mais Garfield n'a qu'une seule solution. La salle de contrôle de la gare. Garfield est en train d'appuyer sur tous les boutons de la salle de contrôle de la gare du train. Et après, il a réussi à faire revenir le train où Chapman est dedans. Et là après, Garfield a réussi à sauver Audi. Oh, comme c'est charmant. Garfield et Audi se font un câlin, comme des potes. Oh, comme c'est touchant. Et là, Chapman a repéré Garfield et Audi qui sont en train de se sauver. Puis là après, Garfield et Audi sont en train d'affronter Chapman pour l'affrontement final. Alors, maintenant Garfield et Audi ont reçu de l'aide. Les chats et les chiens de la fourrière. Et les rats qui sont amis avec Louis. Surtout en voyant l'ombre de Chapman quand il est pogné par les chats et les chiens. On dirait que les sont en train de manger Chapman. Et là, ils ont mis le collier électrique que Chapman avait mis sur Audi, que maintenant Chapman a été contrôlé et fait une pirouette. Et à ce moment-là, John et Liz sont arrivés, ils ont trouvé Garfield et Audi, et en plus, John s'élance à faire ce Chapman à Falcon Punch! Et Chapman est hors jeu, et maintenant, Chapman est arrêté par la police. Alors que Nerman et Harlan ont regardé les nouvelles, qu'ils ont vu que Chapman a été arrêté par la police et qu'ils disent que Garfield est un vrai héros pour avoir capturé Chapman et sauvé Audi. Et c'est alors que, comme ça s'est passé dans la bande dessinée, maintenant qu'elle est la blonde de John, comme j'avais dit avant. Puis là après, c'est la fin du film. Fin. Et maintenant là, mes chers amis, c'est le grand temps que je vais donner des nombres d'étoiles à ce film. Le nombre d'étoiles que je vais donner à le film Garfield le film de 2004 est 5 étoiles. Exactement. 5 étoiles. 5 étoiles parce que c'est un très bon film et c'est bourré d'humour. Hey! Ne partez pas! Et maintenant, ne manquez plus la suite de la vidéo parce que je vais parler de la suite Garfield Pacha Royal. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Et allez regarder la suite de mon review. Oui. Alors regardez mon review sur la suite. Garfield Pacha Royal. Bon ben salut, à la prochaine!